الحديث التاسع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه أو من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Le neuvième hadith de ce recueil, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le quatrième calife de l'islam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 promus au paradis, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie, après Abu Bakr et Omar et Uthman, le meilleur des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur vertu, comme disent les gens de la Sunna, est dans l'ordre de leur calife. La vertu de ces quatre compagnons est dans le même ordre que dans leur calife, c'est-à-dire Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiallahu anhum, ajma'in. Donc, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de ces quatre paroles: qu'Allah maudisse celui qui maudit son père, dans une autre version ses parents, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, qu'Allah maudisse celui qui abrite ou agrée un criminel, dans une autre version un innovateur, qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ces quatre catégories de personnes. Il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux. La malédiction d'Allah, cela signifie être exclu et éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la malédiction des créatures, c'est quand les créatures insultent une personne ou invoquent contre lui, contre quelqu'un. Donc parmi ces personnes contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah, il y a celui qui insulte son père ou ses parents, ou bien en les insultant directement, ou bien en poussant, en étant la cause pour que les gens les insultent. Comment cela? Lui, il insulte les parents de quelqu'un, cette personne insulte ses parents. Donc quand lui, il a été la cause que cette deuxième personne insulte ses propres parents ou son père ou sa mère, c'est comme si lui-même avait insulté ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qui que soit cette autre personne, ou quelle que soit cette chose pour laquelle le sacrifice a été fait, que ce soit un ange, un djinn, un prophète, un homme vertueux, un arbre, une pierre, un sorcier, peu importe. Tout sacrifice qui est fait pour autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Et du polythéisme majeur, de l'associatrie. Car le sacrifice est une adoration. Allah Ta'ala dit: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Dis: ma prière, mon sacrifice ou mérite, ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes qui n'a pas d'associé. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah.
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit celui qui fait un acte, cela montre que cet acte est un grand péché, un péché majeur. Que cela soit un péché majeur qui soit de l'associatrie ou du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam ou non, comme le fait d'insulter ses parents, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un péché majeur. Alors que sacrifier pour autre qu'Allah est aussi un péché majeur, mais qui fait sortir de l'islam, car c'est de l'associatrie du polythéisme majeur. Parmi les grands péchés aussi, contre lesquels et pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le fait, celui qui abrite, qui agrée, qui défend un criminel ou un innovateur. Car muhdithan avec une kafra, c'est il y a muhdithan ou muhdathan. L'un veut dire le criminel, celui qui a fait l'acte, alors que muhdath avec la fatha sur le dal, c'est toute chose inventée en religion. Toute chose inventée en religion, une innovation. Donc, que la personne abrite et agrée un criminel ou un innovateur, ou bien qu'il agrée et qu'il défende une innovation, il rentre sous cette menace d'être sous la malédiction d'Allah, éloigné de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi cela? Car tout croyant qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui s'allie pour Allah, qui se désavoue pour Allah, qui prend comme allié pour Allah et qui prend à partie comme adversaire pour Allah, il n'est pas possible qu'il défende un criminel ou un innovateur, quelqu'un qui fait du mal aux gens ou qui fait du mal à la religion des gens. S'il le fait, il commet en cela un grand péché et il encourt cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui, qu'il soit maudit par Allah. Ça va nous en préserver. Et la quatrième catégorie qui est citée dans ce hadith, c'est celui qui change les délimitations de la terre, c'est-à-dire qui vole les morceaux de territoire des autres. Il grappille des délimitations de ses voisins et leur vole des parties de leur terrain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la malédiction d'Allah contre cette personne, car il a mangé injustement le droit d'autrui, les biens d'autrui. Donc on voit dans ce hadith la gravité de ces quatre actes et qu'ils font partie des grands péchés. Les grands péchés sont beaucoup plus nombreux que ce que les gens pensent. Comme l'a dit Ibn Abbas quand il a été questionné sur les grands péchés, est-ce qu'ils sont au nombre de 70 ? Il a dit qu'ils sont plus proches de 7000 que de 70. Mais il a cité une règle importante. Un grand péché ne reste pas grand, c'est-à-dire il est effacé, ma'al istighfar, avec la demande de pardon. Wala saghirata ma'a israr. Ma'a israr. Ma'a israr. Wala saghirata ma'a israr. Et le petit péché ne reste pas petit quand quelqu'un le fait constamment. Car quand il le fait constamment, constamment, c'est qu'il ne donne pas de la valeur aux délimitations, aux limites sacrées d'Allah. Donc ce manque de respect pour les limites sacrées d'Allah fait qu'il se transforme en grand péché. Qu'Allah nous en préserve. Quelle est l'importance de connaître les grands péchés par rapport aux petits? Car les grands péchés, Allah Ta'ala a garanti pour celui qui s'éloigne des grands péchés qu'il lui effacera ses petits péchés et il le fera entrer dans une demeure honorable.
dans une demeure honorable. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Donc, quand on sait cela, il est important de connaître les grands péchés pour s'en éloigner, pour espérer gagner cette vertu, cette promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est de pardonner les petits péchés et de nous faire entrer au paradis. Et le plus grand des grands péchés est l'association, le polythéisme, le shirk. Et c'est pour cela qu'il est important aux musulmans de connaître le tawhid, le monothéisme pur, pour le concrétiser, et de connaître le shirk pour s'en éloigner. Car c'est le pire des grands péchés.